très heureux de vous accueillir pour ces portes ouvertes des journées d'artistes. Les artistes ont plusieurs facettes à leur art et bien évidemment j'ai souvent l'habitude de dire que si effectivement l'art a plusieurs facettes, la culture n'a qu'une seule finalité, c'est la transmission. Et les portes ouvertes des ateliers d'artistes sont effectivement la transmission, la possibilité que nous donnent nos artistes aniérois de rentrer dans leur monde. Je présente mon travail photographique qui est plus un travail sur les photographies que je prends en voyage à l'étranger dans un objectif de collectionner des attitudes, des rencontres que je peux faire à travers le monde et puis essayer d'associer des noms comme des pays comme le Cameroun, comme le Kenya, comme la Turquie avec des photos qui pour moi sont plus positives. Ça permet en fait de faire entrer le public dans mon lieu de travail et de leur expliquer un petit peu comment fonctionne la réalisation d'un vitrail et puis leur ouvrir les portes un petit peu sur le monde du verre. L'objectif des portes ouvertes des ateliers d'artistes, c'est de permettre aux gens de venir voir comment je travaille, dans quelles conditions, et aussi de leur montrer un peu l'atelier tel qu'il se présente avec un peu tous les tableaux que j'ai fait depuis plusieurs années. Je travaille actuellement sur des tableaux, on va dire en 3D. L'idée, c'est que le spectateur, lorsqu'il se déplace, voit le tableau bouger un peu au rythme de son propre mouvement.